vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les produits finis. J'en fais pas souvent des vidéos sur les produits finis, mais je me suis dit, comme à chaque fois je finis des produits, je les mets de côté, puis je me dis, ouais, tiens, je ferai peut-être une vidéo. Mais là, ça commence à prendre des proportions énormes. Le sac est plein. Donc j'ai dit, je vais leur faire une petite vidéo rapide et leur dire ce que je pense, si j'ai aimé, pas aimé, etc., etc. Aujourd'hui, je porte une encre à lèvres mate métallique de chez Aoa. Plus besoin de vous les présenter. Hein, c'est le Wonder Metal, c'est une métallique. Hein. Elle s'appelle Saint, comme un saint. Voilà, et j'adore. J'en mets beaucoup. Alors, allons-y. Oui, aussi, pour vous faire une petite... Regardez comme elles sont belles. C'est les boucles d'oreilles que m'a fait Jessica de la chaîne Tissia Miel. Regardez comme c'est joli. Hein, avec ma petite tenue rose, là. Cool, hein? Sympa. Allez, on va commencer. Je pioche au hasard. Hein. Alors, la première chose qui me vient... j'ai l'impression qu'il y a eu des... Il y a eu des choses qui ont coulé, parce que celle-ci, elle est un peu crasse-pouillée. Hmm? Alors, c'est un déodorant de la marque Repère Manava, fraîcheur Fraisia et Magnolia. Alors, oui, j'aime bien, ça me tient bien, ça fait son job. Vous entendez? On est le 15 août, hein? Et on fait donc, c'est le bouchon tourbain. Je vous en ai parlé sur la précédente vidéo. Je vais mettre un petit i là, où on présente le bouchon. J'ai fait un petit reportage. Alors oui, ça sentait très bon, c'est très bien. Vous n'avez rien entendu. Ensuite, j'ai utilisé un savon. C'est une douche soin de chez Garnier Ultra Doux. Douche soin, savon d'alape et d'huile de rose. Je vous garantis celui-ci. Je vais me régaler. Franchement, si vous aimez l'odeur de rose, allez-y. Super. J'ai rapproché le sac poubelle. J'ai bien un sac poubelle à disposition. Ensuite, un autre gel douche. Bain douche énergisant Yves Rocher. Citron basilic. Alors, oui. Oui, sentait très très bon. Parce que j'en ai un autre que j'ai utilisé que je n'aime pas du tout. Et qui avait absolument pas d'odeur. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai mis dans le sac, si je vais le mettre directement à la poubelle. Celui-là, oui, d'accord, très bien, sent bon. Je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, un shampoing, le Petit Marseillais. Alors moi, la marque le Petit Marseillais, c'est vraiment une marque, j'adore. Que ce soit en gel douche ou en shampoing, j'aime beaucoup. C'est un shampoing douceur et réparation au lait d'amande douce, aux graines de lin. Cheveux longs, pointe fragile. Deux en un, hydrate et démêle. J'ai beaucoup aimé. L'odeur, je m'en souviens plus parce que... Oui, c'était très agréable, très discret, très agréable, très sympa. Si je rachèterais, oui, c'est certain. Ensuite, un autre gel douche. Ah ben tiens, le voilà. Je suis désolée, mais ça va être comme ça. Et la fenêtre est fermée. Je crève de chaud, j'en peux plus. C'est un bain douche, ça s'appelle bain douche sensuel, fleur de tiare Ylang Ylang de chez Yves Rocher. Alors je dois avouer, ça sent que dalle. Enfin, ça sent très doux. Je m'attendais à ce que ça reste sur la peau. J'adore la fleur de tiare. Non, vous douchez, vous sortez de la douche, vous ne sentez plus rien. Bon, c'est peut-être pas le but, mais vous attendez quand même à ce que ça sente quand même un peu plus longtemps. Donc je ne rachèterai pas, j'ai pas aimé. Voilà, ensuite un autre shampoing de la marque Yves Rocher, shampoing purifiant cheveux gras aux extraits d'ortie, sans silicone, sans colorant et sans parabène. Alors ça, très très bon shampoing, vraiment, j'ai beaucoup aimé, voilà, parce que pour cheveux gras, en été non, mais souvent vers l'automne, début du printemps, on a les cheveux qui graissent un peu plus que d'habitude et je le trouve très efficace et très bien, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, ah oui, un gel douche de la marque Ushuaïa. C'est douceur du Japon, douche soin hydratant, lait de riz et fleurs de sakura. Alors ça sentait bon, ça sentait bon. Ça faisait
Une peau toute douce et si j'achèterais, si j'étais convaincue, oui, c'est sûr, je rachèterais. Alors, ces gels douche, j'en ai acheté toute une quantité au promo beauté Leclerc, je mettrai la vidéo. Je me suis défoulée, c'est vrai. Mais quand je vois les tiroirs à la vitesse où ça se vide, tout le monde s'est foutu de moi en me disant « t'en as pris pour un an ». J'ai des doutes, quoi, parce que finalement, les douches que j'ai prises, qui sont des douches pour femmes, je les utilise et je suis toute seule. Il y a mon mari qui a ses propres gels douche. Franchement, alors que je me calme, je me lave moins, non. Mais... Alors, ensuite, ah oui, alors ça, je l'aime d'amour. C'est une mousse de touche de la marque Ritual of Sakura. C'est la marque Ritual et c'est The Ritual of Sakura à l'Organic Rice Milk et Cherry Blossom. C'était celui-ci, mais franchement, à 1000% je le rachèterais parce que oh, on dirait de la chantilly. Quand vous mettez ça, c'est une mousse, c'est agréable. Si vous avez la peau toute douce, ça sent bon, c'est super, ça fait son job. Je l'adore. Voilà. Donc si je rachèterais, bien entendu. Ensuite, shampoing sec de la marque Repère Vitanov, shampoing sec chrono, nettoie les cheveux sans les mouiller, donc en 2 minutes, extrait de citron vert, provitamine B5, cheveux normaux, tendance à regresser, je dois avouer qu'il a fait son job. Très sympa. J'ai plus l'habitude de prendre des Baptiste, mais celui-là, il est quand même vachement efficace pour le prix. Voilà, donc si j'ai plus de Baptiste, je me rabattrai là-dessus sans problème. Parce que les Baptiste, j'ai fait mon stock, toujours au beauté, promo beauté Leclerc, et j'en ai pour un moment. Voilà, donc ensuite, un autre déodorant de la marque Biface. Alors, je les adore, cette marque-là en déo, ça me tient très très longtemps. Autant les déodorants de la marque Sienne, c'est la marque de Lidl. Sur moi, ça ne tient pas. Et pourtant, les odeurs sont super. J'adore. Mais je le mets, je prends ma douche, je mets ce déodorant. Même pas une heure après, j'ai l'impression que je sens la transpiration. Et ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que, je sais pas moi, j'ai une transpiration de vieille. Hein, j'en sais rien. Mais en attendant, Sienne, c'est pas pour moi. Celui-là, j'adore. Celui-là, c'est des fleurs de coton. J'adore l'odeur de fleurs de coton. Très sympa. Évidemment, je reprendrai. Ensuite, mon mari a fini un immense gel douche de la marque Axe. Et c'est Dark Temptation. Alors, autant dire que ça sent le mec, quoi. Et il m'a dit qu'il a adoré. Donc, si j'en retrouve, je le reprendrai. Voilà. Ensuite... Ah oui, j'avais c'est pas des échantillons, mais vous savez, quand vous allez à l'hôtel, on a été à Venise avec mon mari et on est resté une semaine dans un hôtel. Et il y avait ces petits flacons de shampoing nourrissant et de lait pour le corps, source argan. Bah écoutez, j'avais trouvé que ça sentait bon, c'était sympathique. Oui, ça sentait très bon, j'aimais bien. Donc je les ai finis voilà, très très vite, évidemment, parce que c'est des douches. Je les avais emmenés, je ne les avais pas utilisés là-bas. Je les ai emmenés pour les utiliser ici. Voilà, donc terminé. Évidemment, je ne peux pas dire que je rachèterais. Il faudrait que je retourne dans le même hôtel. Parce que je n'ai pas retrouvé cette marque. J'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Alors ensuite, j'ai terminé une crème qui était en petit contenant et je dois avouer que j'attends les grosses promos pour pouvoir m'en acheter parce que je suis en train de chercher la quantité qu'il y en avait. Il y a 15 ml. Cette crème, je l'aime d'amour. C'est une crème d'Estée Lauder et c'est la crème Global Anti-Âge Pouvoir Cellulaire Revitalizing Supreme Plus. C'est celle-ci. Et je dois avouer, franchement, je l'ai adorée. Elle est exceptionnelle, elle n'est pas grasse, elle pénètre bien, elle lisse la peau, c'est vraiment, j'ai adoré. Elle est un peu chère,
pour mon budget. Maintenant, c'est vrai que si on a une promo sur Sephora, ben, moins 25, moins 30%, peut-être que j'en reprendrai une fois, mais pour l'instant, quand je vous dis que je l'ai terminé, c'est que je l'ai terminé. Vous voyez, il n'y en a plus du tout. Voilà, j'ai adoré. Et si j'en reprendrai, bien entendu. Ensuite, j'ai terminé un mascara. Qui était dans une box de la marque Douce. Voilà. La brosse, c'était une énorme brosse. J'ai pas trouvé que ça faisait des miracles. J'ai pas aimé. Déjà, j'ai du mal avec les mascaras. Et c'était censé faire punk volumiseur. Volumiseur. C'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Donc j'en reprends. C'est sûr que cette marque-là, je la reprendrai pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un autre petit mascara qui était en des petites trousses de chez Yves Rocher. C'est la Volume Extrême Sexy Pulp. Alors perso, oui, la brosse est énorme. Elle fait pas plus que ça. Je la reprendrai pas en grand contenant. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un shampoing du Petit Marseillais. Shampoing huile éclat couleur à la pulpe de grenade et huile d'argan pour les cheveux colorés et méchés. Exceptionnel. Tous les produits du Petit Marseillais, j'adore et je rachète systématiquement. Donc voilà, celui-ci a fait son job et très bien. Et je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, un autre shampoing. Alors là, j'ai testé, j'en ai acheté deux différents, de la marque L'Oréal SM, des shampoings antipelliculaires. Un qui était soin rafraîchissant et l'autre shampoing apaisant. Il y en a un qui faisait triple action, les deux faisaient triple action. Et il y en a un qui était élimine jusqu'à 100% des pellicules, rafraîchit le cuir chevelu, anti-récidive et chevelure éclatante de vitalité. L'autre, c'était exactement la même chose, sauf que un, c'était l'action rafraîchissante et l'autre apaisante. Voilà. Très bon produit. Maintenant, si vous souffrez de problèmes de cuir chevelu, ce qui est mon cas, que vous avez des crises, que ce soit de dermite séborréique ou de, comment on appelle ça, d'eczéma. Moi, c'est plus des dermites séborréiques et c'est des crises. Si je suis trop fatiguée, s'il y a trop de soleil, s'il y a trop chaud, si je suis trop stressée, alors j'en ai sur le crâne et c'est compliqué. J'ai trouvé vraiment le shampoing. Ça, c'est très bien. Ça m'a fait effet quelques temps. Voilà. Mais j'ai trouvé le shampoing vraiment qui me soulage au niveau du cuir chevelu. Je vous en ai parlé lors d'une précédente. Une précédente vidéo sur les produits terminés. C'est la marque Petrolane. Alors, Petrolane, shampoing antipelliculaire et anti-démangeaison, assainit et apaise. Celui-ci, je vous garantis, vous ne le trouvez pas au rayon des shampoings côté femme. Vous le trouvez côté rayon homme. Alors pourquoi? Je sais pas si les mecs ont plus de problèmes de cuir chevelu que les femmes. Je suis pas convaincue parce que j'ai suivi plusieurs youtubeuses qui ont ce problème de cuir chevelu et qui désespèrent de trouver. Alors oui, il y a l'huile de cade, il y a les shampoings à base de goudron qui puent. Vous avez, il y a un masque, non plutôt un gommage pour cheveux de chez The Body Shop que j'aimerais tester. Qui paraît fait des miracles. Je testerai, je vous en reparlerai. Par contre, celui-ci, alors quand vous l'appliquez pour la toute première fois, vous laissez reposer, vous avez l'impression qu'on vous a mis le crâne dans le congélateur. Je vous le garantis. C'est frais, mais frais. Ça vous enlève cette sensation de picotement, ça vous enlève. Mais c'est exceptionnel. Et je vous dis franchement, j'en rachète tout le temps. Il faut que toujours j'en ai en stock parce que je ne me lave pas les cheveux qu'avec ça. D'ailleurs, vous l'avez vu. Mais c'est un produit que je recommande. Donc, si vous avez des problèmes de pellicule, de démangeaison des cuirs chevelus,
allez-y, c'est au rayon homme. Vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Voilà. Évidemment, je l'achèterai. Ensuite, un shampoing pour mon mari, qui a pris donc de la amalgame Schwarzkopf Men Power Action 3, cheveux, cuir chevelu et racines, à la taurine, force et vitalité. Cheveux normaux à fin, parce que mon mari a les cheveux très très fins, bouclés, mais très fins. Et c'est vrai que il a bien aimé. Voilà. On arrive à la fin, hein. Ne désespérez pas. Donc celui-ci, c'est aussi un shampoing à base d'argile blanche et l'aloe vera. Cheveux à tendance grasse du petit Marseillais, bien sûr, j'adore, je rachèterai. Le sac poubelle va s'écrouler. J'avais testé un peeling régénérateur visage de la marque Ahava. J'avais eu en échantillon. J'avais trouvé très sympa. Très bien. Si j'ai l'occasion, j'en reprendrai. Hein. Mais très sympa, j'en ai d'autres routines, donc non. Ensuite, j'ai terminé. Alors, ça, dommage aussi, je vous le montre. C'est un Dior Prestige, le nectar de nuit. C'était un soin anti-âge d'exception, peau délicate. Et je vous garantis, au nectar de rose de Granville. Et je vous garantis que ça, c'est pareil. Ça fait partie comme Estée Lauder. Si j'ai l'opportunité de l'acheter à un prix raisonnable, eh ben, c'est ce que je ferai. Donc, c'était sous forme de flacon pompe. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait que 5 ml. Mais alors, 5 ml de bonheur. Voilà, j'ai adoré, j'en reprendrai. D'ailleurs, je vais peut-être juste me garder la boîte pour pouvoir retrouver, pour pas me tromper, parce qu'il y a tellement de choix. Et j'ai adoré, je rachèterai bien entendu. J'ai terminé également une solution micellaire démaquillante peau sensible de Bioderma que j'avais eu dans une box qui faisait 100 ml, qui est très connue et j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'arrive aux deux derniers. Voilà, j'arrive vraiment aux deux derniers. J'ai terminé tout ça. Hop! J'ai terminé. D'ailleurs, le bouchon s'est barré. J'ai jeté le bouchon, mais c'est pas grave. C'est un baume lavant réconfortant beurre de karité, peau extra sèche. C'est un baume lavant qui va sous la douche. C'est fermé, hein, vous entendez, c'est un peu le Trafalgar dans la rue. De chez Yves Rocher, excellent. Je le reprendrai en grand format parce que j'ai vraiment aimé. Et pour terminer, aussi Yves Rocher, c'était un déodorant anti-transpirant fleur de coton d'Inde, 24 heures Yves Rocher, j'ai adoré. Ça sent si divinement bon et ça me tient bien. Donc, mais j'ai plus envie en ce moment, moins de stick ou de billes, je préfère plus les pchit, c'est plus sympa, plus pour le moment j'aime bien, voilà. Et ben voilà, écoutez, la vidéo des produits terminés est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On va se retrouver très rapidement pour des prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous, surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires, ça me touche toujours autant, de liker si ça vous plaît. Et puis, partagez cette vidéo ou abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.